Salut mes abonnés, salut aussi à ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Je vous invite à abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater d'autres de mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous donner un bain rapide de purification, de déblocage et demande de pardon divin. Tout le monde devait faire ce bain. Certains péchés et malédictions nous freinent aujourd'hui sans que nous le rendions compte. Sachons bien que la nature a ses lois. Tu as commis l'adultère une fois. Il te faut une purification, sans quoi tu auras plus le goût de ta vie. Tu as commis un grand crime une fois. La nature ne te pardonnera jamais sans que tu ne reconnais pas et ne te purifie pas. Tu as arraché le mari d'autrui. C'est un grand péché. Il te faut la purification. L'avortement est un grand péché. Il faut la purification. Tu as commis des crimes pas possibles et maintenant plus rien ne marche pour toi. Même certains péchés sont involontaires. Des péchés héréditaires qui te bloquent aujourd'hui l'évolution. C'est une malédiction familiale, un péché commis par tes grands-parents ou tes parents qui te freinent aujourd'hui. La confession et la purification est important pour implorer le pardon divin. Avec ce bain, tu deviendras pur, sanctifié et clair comme la mer. Quels sont les ingrédients que vous allez chercher pour pouvoir préparer ce bain? 7 gousses de piment de Guinée. Moi, j'ai seulement 3 ici. Cherchez 7 gousses. J'ai bien dit 7 gousses de piment de Guinée. 7 coups de girofle, je sais pas coups de girofle ici, cherchez 7 coups de girofle. Sel groguin, c'est ça. Sel groguin. Sel groguin. 3 cuillères d'huile d'olive. 3 cuillères d'huile d'olive. Un seau d'eau. Cherchez un seau d'eau. Et voilà comment vous allez procéder. Le soir au coucher, remplissez le seau uniquement avec de l'eau et laissez à l'air libre. Très tôt le matin, ajoutez un à un les 7 gousses de piment de Guinée dans le seau. Pendant que vous ajoutez les 7 gousses, prenez un grain dans chaque gousse. Prenez un grain dans chaque gousse. Et garder pour aller sous la douche avec. Ensuite, ajouter les coups de girofle, une pointe de sel groguin, puis l'huile d'olive à cette eau, puis bien secouer. Sous la douche, versez un peu de sel sur le sol et restez debout dessus. En plus, gardez quelques grains de sel groguin dans les deux mains. Puis mangez les 7 grains de piment de Guinée. Préalablement, enlevez puis fermez les poings des deux mains. Confessez intégralement tes péchés à Dieu. Demande pardon, tout en promettant de ne plus recommencer. Faites vos voeux de déblocage et ouverture des portes. Ouvre les yeux. Jetez le sel qu'on a dans les mains, dans la douche. Prenez votre bain sans savon, ni éponge. Très très puissant. Et notez bien. Bain à prendre une seule fois. Pas de rapport sexuel les 9 derniers jours avant le bain et les 9 jours après le bain.
Lisez cette phrase, cette prière sur l'huile d'olive pour la bénir avant d'utiliser. Ô Seigneur, bénis cette huile pour qu'elle devienne l'instrument de ta volonté divine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Essayez ça. C'est un bien très efficace. Essayez ça et venez témoigner. C'est très, très efficace.